Mon Dieu, l'aloe vera sert à tout faire. Et encore, si vous le mélangez à de l'œuf, vous serez très heureux avec ce qui se passera. Tout le monde va en parler autour de vous. Coucou à toute la famille Marie-Léonie Coach. Bienvenue sur votre chaîne préférée de santé et de beauté. Si c'est votre première fois sur ce canal, si vous me découvrez à l'instant, alors je vous invite tout d'abord à vous abonner et ensuite à activer toutes les cloches de notification pour toujours être le premier ou la première à recevoir chacune de mes publications quotidiennes. Ensuite, pensez à liker la vidéo et à la partager à tout votre entourage. Et si vous faites déjà partie de cette belle communauté, je vous remercie du fond du cœur de me soutenir et de m'accompagner. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour me dire bonjour et me dire le pays depuis lequel vous me soutenez et m'accompagnez. Cela me donnerait une idée de la communauté qui me soutient et m'accompagne. Alors, tout le monde connaît cette plante depuis des décennies d'ailleurs. En plus de grandir n'importe où dans le monde, nous pouvons la retrouver comme ingrédient dans des boissons et des produits d'hygiène et de beauté. Dites-moi dans les commentaires s'il est facile de trouver la plante d'aloe vera fraîche dans votre pays. Si oui, comment l'utilisez-vous souvent? Car ce soir, je vous apporte une combinaison parfaite du jus d'aloe vera avec de l'œuf qui vous procurera beaucoup de joie. Quand vous allez faire la même chose, vous allez comprendre de quoi je parle. Car les résultats obtenus seront tout simplement merveilleux. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, je te recommande de regarder la vidéo complète afin de ne louper aucun détail. De plus, si vous êtes l'une des personnes qui utilise l'aloe vera sans vraiment connaître de quoi elle regorge, alors faites très attention parce que avant d'aller à la recette, je vous donnerai d'abord quelques faits très précieux sur l'utilisation et ce qu'elle peut apporter dans vos vies. De cette façon, vous en saurez plus sur cette plante et vous pourrez pleinement profiter de ses multiples bienfaits. Alors, l'aloe vera aide à contrôler le cholestérol, réduit l'acné, traite les brûlures, réduit la cellulite, améliore la santé digestive, soulage les problèmes de dents. Elle est connue pour réduire et soulager la constipation. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Elle contient des éléments qui protègent vos cheveux contre la chute. Elle aide également à traiter les pellicules. En fait, elle agit comme un relaxant pour le corps, traite le cancer de la peau. Alors avant d'aller plus loin, vérifiez bien que vous avez liké la vidéo et que vous êtes bel et bien abonné et que vous avez activé toutes les cloches de notification. Alors, l'aloe vera aide également dans la perte de poids. Elle aide à réduire la fièvre de la douleur musculaire. L'aloe vera revitalise le corps, hydrate la peau, améliore l'appétit au lit, surtout chez les hommes là qui ne peuvent pas bien répondre. L'aloe vera aide dans les calculs rénaux. Elle guérit les hémorroïdes et aide à réduire les vergetures. Comme vous l'avez remarqué, je ne vous ai listé là que l'un des avantages de l'aloe vera car c'est une véritable bombe médicinale. Mais nous n'avons plus besoin de l'inventer car depuis des décennies, l'aloe vera a fait ses preuves dans tous les domaines de notre vie. On va parler de l'aloe vera dans deux types de traitements ce soir. Les personnes intéressées à essayer, sachez que l'aloe vera lutte contre la perte des cheveux et elle intervient dans le traitement des rides précoces, des taches sur la peau. Elle va hydrater votre peau en profondeur. Elle contient des agents antiseptiques capables de désinfecter la peau et de favoriser le retrait des cellules mortes. De cette façon, elle aide la peau à rester plus saine et plus jeune. Elle aide également dans la réduction des cicatrices en adoucissant la peau et en apaisant les irritations. D'un autre côté, l'œuf contient des acides aminés qui peuvent aider à nourrir votre peau du visage qui, à son tour, empêche l'affaissement de la peau. Combat également les effets du vieillissement. L'œuf est riche en antioxydants. Cela aide dans le renouvellement des tissus cellulaires et préserver le teint. Le miel, quant à lui, est un ingrédient que nous devrions ajouter à cette recette pour la peau. Car il est très utilisé dans de nombreuses recettes de beauté. Car il a des propriétés antioxydantes, antiseptiques. Et maintenant, comment allons-nous faire notre recette pour mettre fin aux rides précoces et uniformiser le teint? Pour le premier traitement, nous aurons besoin de 3 cuillères à soupe de gel d'aloe vera, un œuf et 2 cuillères à soupe de miel. Le mode de préparation est très simple. Ajoutez les ingrédients dans un mélangeur jusqu'à l'obtention d'une pâte crémeuse. Une fois que c'est prêt, appliquez la crème sur votre visage et sur votre cou, puis laissez poser pendant 20 minutes et lavez à de l'eau froide et hydratez-vous ensuite. On va passer au deuxième traitement pour les cheveux. Il s'agit là d'un masque d'œuf et d'aloe vera pour les pointes des cheveux. Pour le préparer, nous aurons besoin d'une plante d'aloe vera et du jaune d'œuf. La préparation, extrait le gel de la plante, puis le fouettez avec l'aide d'une fourchette ou alors d'un mixeur et ensuite ajoutez le jaune d'œuf et mélangez très bien. Alors, vous devez appliquer ce masque sur vos pointes des cheveux. Ensuite, mettez un chapeau et couvrez bien pour que ça chauffe. Vous pourrez mettre du papier alu et mettre le chapeau, comme ça va
très bien chauffer. Vous devez laisser couvrir pendant 4 heures minimum. Il est préférable de faire ce traitement la nuit, comme ça vous pouvez dormir avec et laver au petit matin. N'appliquez jamais ce masque sur votre cuir chevelu, car vous devrez garder à l'esprit que c'est pour des chutes. Répétez ce processus 2 fois par semaine pour avoir plus de résultats efficaces et rapides. Voilà, j'aimerais savoir dans quelles conditions vous utilisez l'aloe vera chez vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager votre expérience avec nous. Abonnez-vous si vous voulez recevoir plus d'astuces dans le domaine de la santé et de la beauté. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.